My name is Roland. I'm an assistant director at Arc-en-Ciel d'Afrique. She is the executive director, Patricia. So I'm going to tell you about what we are. Arc-en-Ciel d'Afrique, or African Rainbow, is a non-profit organization that helps LGBT from Caribbean communities, African and Caribbean communities in Montreal, actually. And we're doing many activities. One of them is the festival Masmazi that will be in February, this February, coming 2014. Yes. And that's it. The festival is in the Black Month. It's the Black Month history because we want to give the Black LGBT a place in that month to commemorate all kind of discrimination, racial or homophobia. So, and the screening tonight is in collaboration also. It's a collaboration with the festival Masmazi. And if you want to know many more about our activities or what we are doing, you can go to our website, arc-en-ciel-d'afrique.org. I was supposed to talk about the festival, but Laurent said everything. Just remind you of the dates from February 25th on March 1st. And if you want to know about the festival, masimadi.com for now. And later on, we'll also have masimadi.ca. If you want to know where did we find the name Masimadi, it's just that in Creole and in Haiti, to call gay people, but in a very negative way, we call them masisi, to mean faggots. And for women, we say ma divinesse. So we decided to take these two words and, you know, just like the black people took the word black and negro to empower ourselves, and we said, okay, instead of using ma sissi and ma divine, let's take it and make something very nice with it. And we call the festival Masimadi, like the word queer, exactly. And also tonight we have Fabrice as well as Blaise, who are also from Cameroon and that are willing to answer your questions after the movie. But I'll let them quickly introduce themselves. Alors bonsoir, mon nom est Fabrice Nguena, donc je suis originaire du Cameroun et je vis à Montréal, ça fait 6 ans, donc je suis homosexuel. J'ai été vice-président de Arc-en-Ciel d'Afrique, qui est donc l'organisme des gays et lesbiennes ici à Montréal. Donc après, si vous avez des questions, ben, après le film, on pourra en parler. Merci. Yeah, I'm Blaise. I'm coming from Cameroon. I came here 3 months ago. I have a status of refugee, and just because I have been persecuted for my activism, in Cameroon, I have been supporting the LGBT community in my country. You know that that community is not accepted now in my country, and the government is trying to put everybody that has anything concerning the community into prison, and I have not accepted it. It's not legal, it's not good, it's not, I consider it like a crime, and they wanted to put me in prison, and I thought that it was not good for me to be there. If I want to continue to fight, I must be free, and that's why I decided to come here to Montreal to continue the battle with you people. And this film is concerned my friends, my brothers, my sisters in Cameroon, and I want you people please to support them by looking at the film and ask the question that we are able to ask to answer. Thank you very much. Bande de personnes s'est approchée des hommes et ils sont venus dans les hey, vous les lesbiennes là. Moi, ce qui m'a sauvée, c'est parce que j'ai fait la force. Effectivement, il y a eu une vague d'homophobie qui a commencé au Cameroun il y a une dizaine d'années,
Et c'est parti en fait d'une homélie de l'archevêque de Yaoundé. Il y a eu donc une chasse aux homosexuels présumés, il y a eu des listes des personnalités. Et puis c'est de là que donc, depuis 10 ans, l'homophobie est très très présente au Cameroun et ça n'arrête pas. Donc c'est vraiment l'Église qui a lancé vraiment cette chasse aux sorcières. Depuis 2006, avec l'intervention de l'archevêque Tony Bacon, il y a eu beaucoup de répression parce que lors d'un culte, il a commencé à dire que l'homosexualité au Cameroun était responsable du chômage, était responsable du sous-développement et nous n'avons pas vu la relation avec tout ça. Bien après, c'est le chef Bamoun dans l'ouest du pays qui a pris le relais pendant la cérémonie des musulmans pour dire également que l'homosexualité ne devrait pas être acceptée au Cameroun et que c'est de la sorcellerie. Bien après, les médias qui devraient tout simplement relater se sont mis également dans un élan de... Également d'homophobie, ont commencé à dire l'homosexualité est responsable de ci, est responsable de ça. Et depuis ce jour-là, pour peu que vous envoyez un petit message, un petit texto à un ami pour dire « je t'aime », alors là, on vous arrête. Voilà ce qui se passe au Cameroun. Pour peu au Cameroun que j'embrasse mon cher ami, alors là, on m'arrête. Est-ce normal? Voilà la réalité au Cameroun et le film que vous venez de voir vous dit ce dont nous sommes victimes au Cameroun. Pour moi, je suis hétérosexuel, mais je me suis engagé dans ce combat parce que j'ai vécu avec des amis qui vivent leur relation, leur orientation sexuelle dans la liberté. Ils se sentent à l'aise et on doit les accepter. Moi, je vis la mienne. Je veux que tout le monde vive ainsi car c'est leur droit. Nous devons venir en secours à tous ceux-là qui souffrent dans leur chair parce qu'on ne leur permet pas de vivre dans la liberté. Et c'est un combat que nous avons engagé. Et je salue ici Maître Alice Kong, je salue ici Michel Tongué, je salue ici toute la communauté LGBT africaine de Montréal qui se bat pour cela. On attend d'autres questions, s'il vous plaît. Merci. Au Cameroun, l'homosexualité, de prime abord, n'est pas acceptée. Par conséquent, toutes les organisations non gouvernementales, toutes les associations en faveur de la communauté LGBT ne s'affirment pas de façon officielle. Nous nous cachons nous-mêmes, les militants, derrière les associations des droits de l'homme. Moi, Blaise, je suis président de Paix et Développement Cameroun, qui a pour but de lutter pour les droits de tous au Cameroun et par conséquent et en l'occurrence pour les droits de la communauté LGBT de vivre leur orientation sexuelle dans la paix, dans la transparence et dans l'équité. Par conséquent, je veux répondre à la question en disant officiellement, il n'y a personne, il n'y a aucune organisation qui aide la communauté LGBT parce qu'elle n'est pas censée exister au Cameroun. Alors, juste un petit mot. La situation au Cameroun aujourd'hui, c'est un peu comme la situation au Québec il y a 50 ans. Donc, ça se passe toujours underground, donc de façon très, très souterraine. Les gays, ça existe partout, dans tous les pays du monde, mais donc de façon souterraine. Donc, c'est la même situation. Donc, on a la chance d'avoir Maître Alice Combe, qui est une avocate donc, de renommée internationale, qui, elle peut défendre de façon officielle les gays. Donc, il y a juste elle et puis les ambassades, les diplomaties qui résident au Cameroun, c'est eux qui peuvent intervenir. Mais comme vous avez vu, c'est très, très difficile. Ouais, il n'y a pas de mots pour ça. Oui, c'est une très, très bonne question. D'ailleurs, quand j'ai vu toute la campagne médiatique qui se passe pour venir en aide aux gays de la Russie,
je me suis insurgé sur les médias sociaux. Je me suis dit, mais il y a pas, la Russie n'est pas le pays le pire pour les gays. Il y a pire que la Russie. Il y a l'Afrique. Dommage que tous les médias se braquent sur la Russie à cause de l'argent, des JO. Mais c'est sûr que si les présidents comme Obama et les autres présidents se mobilisaient de façon forte pour que les droits des gays et toutes les discriminations changent en Afrique, c'est sûr que ça changerait. Je vous remercie beaucoup pour cette question qui est très pertinente, d'autant plus que nous qui sommes aujourd'hui, nous représentons arc-en-ciel d'Afrique. Le Cameroun fait partie de l'Afrique. Arc-en-ciel d'Afrique, ici à Montréal, lutte en faveur de la communauté LGBT d'Afrique et d'ici. En apportant votre soutien à Arc-en-ciel d'Afrique, vous êtes en train d'apporter votre soutien à la communauté LGBT du Cameroun. Cependant, vous pouvez également nous rejoindre à Arc-en-ciel d'Afrique, vous enregistrer. Lorsque nous organisons des activités en faveur de ceux-là qui sont persécutés dans nos pays respectifs, nous vous invitons à prendre part de la façon que vous pouvez le faire. Moi, je crois que pour le moment, nous devons comprendre aussi que chaque changement prend du temps. Il y a un processus. Nous ne devons pas rêver. Même au Canada, ça a pris du temps. Et nous savons qu'au Cameroun, ça prendra également du temps. Mais ça ne changera pas si nous ne travaillons pas. Par conséquent, nous devons être libres. C'est pour ça que j'ai fui au Cameroun il y a cela 3 mois. Je suis ici au Canada. Je continue d'être activiste. Bien que je suis hétérosexuel, je sais la communauté LGBT. Ce sont mes frères, ce sont mes sœurs, ce sont des gens avec qui je m'entends. Nous travaillons ensemble pour la progression du monde entier. On ne dit pas c'est un gay, on ne dit pas c'est un hétéro. Nous sommes tous ensemble unis pour que le monde avance. Alors nous devons laisser en arrière des idées assez perverses qui font en sorte qu'on se divise au lieu de nous construire. Par conséquent, madame, venez nous rencontrer, apportez votre soutien de la manière que vous pouvez. Les portes sont ouvertes. Venez à Arc-en-ciel d'Afrique, c'est venir également au Cameroun, c'est venir en aide à tout ce que vous avez vu là, car les activités organisées ici les touchent jusqu'à là-bas. Et nous invitons très souvent à mettre Alice comme elle vient ici, elle vient souvent, et vous pouvez avoir le temps de constater cela. Je vous remercie. Comme vous l'avez si bien dit, je connais la majorité des personnes dans le film, particulièrement Cédric. Cédric, c'est un jeune homosexuel qui est issu d'une famille chrétienne, et précisément catholique, qui vit son homosexualité beaucoup plus en cachette, mais qui est membre d'Alternative, qui fait partie de l'association À Défaut, dont Maître Alice Combe est la présidente, qui a été maintes fois persécutée, arrêtée. Et puis, parce que Maître Alice Combe bataille pour toute la communauté, elle a été libérée. Et vous avez vu comment le jeune homme a dû déménager d'un quartier à un autre parce qu'il n'est pas capable de se défendre, puisque la loi interdit cela. Par conséquent, comment voulez-vous qu'il se batte? Donc voilà comment ils vivent d'un point à un autre. On se cache. En attendant que les plus courageux fassent ce qu'il y a à faire et que le gouvernement comprenne qu'il faut que les choses changent. Pour Solange et Esther, elles sont originaires de la province de l'Est. Solange, que vous avez vu, a un habit traditionnel, a 2 enfants. Pourquoi? Parce que lorsqu'elle a commencé à comprendre qu'elle était beaucoup plus attirée par les femmes, la famille l'a rejetée. Je vous parle de son histoire profonde qui n'a pas été relatée ici. La famille l'a rejetée et pour convaincre la famille de ce qu'elle devrait se réinsérer, elle a fait 2 enfants. Mais malgré le fait que celle-là a fait 2 enfants, ça ne l'a pas empêché de continuer à avoir l'attirance et d'être attirée beaucoup plus par des femmes. Une façon de vous dire qu'on ne peut pas fuir ce qu'on est. Et aujourd'hui, elle a décidé donc de se battre et vous voyez qu'elle a rejoint en définitive l'association. Esther également a été chassée de son village, elle a été qualifiée de sorcière parce qu'on n'arrive pas à comprendre comment une femme
puisse être attiré par une autre femme. Mais c'est simplement faire diversion. Donc, en fait, au lieu de régler les vrais problèmes qui sont l'éducation, la maladie, la santé, mais en fait, c'est de braquer les radars sur un problème qui n'existe pas, l'homosexualité. Donc, c'est simplement cela. C'est faire la politique de l'autruche. En fait, c'est vraiment faire diversion, simplement. La majorité des pays africains sont encore sous le régime de la dictature. Et si vous regardez l'histoire du Cameroun, le président actuel a fait déjà 33 ans au pouvoir. Vous êtes d'accord avec moi que tous les ministres qui sont autour de lui sont des gens de la génération 40-50 qui n'ont pas compris que le monde évolue. Et eux aussi doivent évoluer avec le changement que nous regardons dans le monde entier. Par conséquent, ont encore dans la tête des idées arriéristes. Je ne sais pas si vous me comprenez un peu. Mais la nouvelle dynamique, la nouvelle génération a compris que nous devons avancer et que les choses changent. Par conséquent, nos pays africains doivent comprendre qu'ils doivent également aller de l'avant. Ce n'est pas seulement sur le plan des droits humains. C'est à tous les niveaux. Sur le plan du développement économique, sur le plan de l'éducation, comme le monsieur vient de dire. Vous avez vu dans quelle situation vivent les populations dans les quartiers. Ce sont, en fait, ces idées-là qui doivent changer. Nous pensons également qu'on ne doit plus durer au pouvoir, laisser la nouvelle génération gérer le pays avec des nouvelles idées, avec des nouvelles façons de voir et s'arrimer à la logique internationale. Moi, je crois que c'est ce que je pense pour le Cameroun. The situation of Cameroon is not around the world. Cameroon is one of the countries in the world that are very homophobia, is it? Yeah, we know that. And for me, I'm not a gay, but I'm an activist. I just have to prove that. I've done many things for the community. All what I have done should be presented to the immigration. That is all. And they have to verify it. And if it is true, then I can be accepted. That is all. Moi, pour ma part, j'ai immigré pas comme réfugié, mais sur la base de, comment on dit, immigration économique, voilà. Donc, mais en fait, les Camerounais qui font la demande sur la base de leur orientation sexuelle, comme c'est assez connu en général, oui, ils sont acceptés par le Canada.